de la France Insoumise aux élections européennes 2019 et est présente pour cette première grosse journée de manifestation interprofessionnelle à l'appel de l'intersyndicale. Je suis ici pour la France Insoumise. Notre député Loïc Prud'homme n'a pas pu être là aujourd'hui puisque, comme tous les mardis, il est à Paris le mardi matin pour la réunion de groupe et ensuite il sera en séance. Mais de toute façon, on n'a pas besoin tout le temps de notre député avec nous puisqu'on voit ici les Insoumis et les Insoumises répondre à l'appel de l'intersyndicale. Cette journée est importante, non pas parce que ce serait une énième journée de manifestation de rentrée, mais parce que depuis un peu plus d'un an maintenant, on a pu voir qu'Emmanuel Macron et sa bande souhaitaient véritablement détruire les services publics, détruire les retraites, détruire aussi ce qui reste de tissu social entre les associations à coup de mesures absolument épouvantables pour les plus faibles. Par rapport aux services publics, moi je porte la double casquette dans mon syndicat, je suis au SNESUP, au Syndicat National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, SNESUP-FSU, et comme tous les services publics, on subit de plein fouet la politique d'austérité mise en place par le traité de Lisbonne et ensuite déclinée avec mise en place au niveau européen et déclinée avec beaucoup de zèle en France par les différents présidents. Et on voit qu'Emmanuel Macron s'inscrit pleinement dans la destruction des universités. Parcoursup était encore une marche vers la destruction de ce service public et malheureusement les réformes à venir n'augurent rien de très bon. Donc aujourd'hui c'est une journée de solidarité vraiment interprofessionnelle, privée et publique, puisque auprès de nous on trouve des camarades vraiment de tous les milieux, privés, publics, précaires, étudiants, étudiantes. Et on espère vraiment que cette première journée arrivera à mobiliser pour bien montrer qu'on ne compte pas laisser Emmanuel Macron faire tout ce qu'il veut quand il le veut. On est là, on est là, France Insoumise, oui, on est là. Vous n'êtes pas prêts de voir nos talents, vous verrez pas tous nos talents. 117 à l'Assemblée, bientôt la majorité. On est là, on est là, on est là, France Insoumise, oui, on est là. Pour l'avenir de l'en commun, pour la terre de nos gamins, on est là. Pour la 6ème République, pour défendre le service public, on est là, on est là. La France Insoumise, oui, on est là. Arrêtez de maltraiter nos vieux, nos retraités, licenciez les salariés. Ça va, bordel ! On est là. On est là. Pour défendre notre système de santé, notre hôpital bien nous soigner. On est là. On est là. On est là, France Insoumise, oui, on est là. Notre compétition à la con, nous on choisit la compassion. On est là. On est là. Il y a belle lurette qu'on a compris que l'ennemi de l'ouvrier, ce n'est pas l'étranger, c'est le financier. On est là, on est là, on est là, France Insoumise, oui, on est là.